Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Dimanche en politique. Une émission qui conclut une semaine politique marquée par le lancement du grand débat national. On en pense ce que l'on veut, qu'il est nécessaire, inutile, instrumentalisé, constructif. On a à peu près tout entendu sur cette initiative, mais une chose est sûre, elle est inédite et devrait mobiliser un Français sur deux d'y vouloir s'y impliquer. Alors au cours de notre émission, nous allons voir avec nos invités, des élus, gilets jaunes, sociologues, ce que l'on peut attendre ou pas de ce grand débat. Mais d'abord, comment s'organise-t-il? Quel est son calendrier, ses animateurs? Réponse tout de suite avec Stéphanie Pagrimouf. Voici le document qui sera transmis à tous ceux qui organiseront le débat. Un kit de 15 pages, adapté à chaque commune, avec des données statistiques très locales. C'était aussi une manière d'avoir un support, peut-être même des éléments du débat. Ce sont des données statistiques sur la démographie, sur comment se déplacer, comment se loger. Concrètement, chaque Français pourra proposer d'organiser un débat en s'inscrivant sur ce site internet dédié. Un débat encadré par des garants. Côté gouvernement, Sébastien Lecornu fera l'interface avec les élus locaux, Emmanuel Wargon avec la société civile. Des référents départementaux seront également nommés par les préfets pour traiter les demandes localement et assurer la bonne tenue des débats. Pour assurer l'indépendance de cette consultation, un collège de 5 garants a été désigné. Quels thèmes seront abordés? Il n'y a pas de questions interdites, assure le chef de l'État, mais l'exécutif a recentré le débat autour de 4 sujets. Transition écologique, fiscalité, citoyenneté, organisation de l'État et services publics. Enfin, le calendrier est connu. Les débats pourront s'organiser jusqu'au 15 mars. Emmanuel Macron s'est engagé à rendre ses conclusions dans le mois qui suivra la fin de cette consultation. Courant avril donc, pour les premières conclusions du grand débat qui n'en est donc qu'à ses prémices et dont nous allons parler dans cette émission avec nos invités. Bonjour Dominique Dumont. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Fercé-sur-Sarthe et vous êtes aussi vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Vous êtes députée Modem de Loire-Atlantique et bonjour Nathalie Le Baïf. Bonjour. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler depuis quelques mois « gilet jaune » entre guillemets. Nous rejoindra aussi en cours d'émission Séverine Misset. Elle est sociologue et elle a travaillé sur l'histoire des mouvements sociaux. Je vais commencer avec vous, Nathalie Le Bailly. Vous êtes mobilisée sur les actions depuis le 17 novembre. Est-ce que vous irez au grand débat? Alors, je pense que le prochain grand débat, oui, j'irai voir. Enfin, je participerai. Parce que j'ai vu celui début de semaine et c'est vrai que je pense que ça nous concerne, même si on est apolitique. Donc, je pense que je vais y aller, ouais. Quand vous parlez du débat de début de semaine, c'était Emmanuel Macron face au maire en Normandie. Je précise que votre position, elle a évolué. Quand je vous ai appelé en début de semaine, vous me disiez « pas question, j'y crois pas ». Qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, vous nous dites « peut-être, je vais y aller » Parce que, de toute façon, il faut avancer. Et je pense qu'à un moment donné, même si on est contre ce gouvernement, et même, il y a eu un problème au niveau des gouvernements, de la suite des gouvernements, on a aussi envie maintenant d'avancer. Donc, pourquoi pas s'ouvrir à ces questions et pouvoir enfin aussi poser nos questions face à face et avoir des réponses concrètes. Donc c'est pour ça que j'ai changé un peu d'idée. Alors on voit ici à Emmanuel Macron lors de cette première réunion, c'était mardi dernier en Normandie. Dominique Dumont, vous n'y étiez pas puisque vous n'êtes pas élu en Normandie ou dans l'Eure. Vous êtes élu, je le rappelle, dans la Sarthe. Vous êtes aussi vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Et vous êtes très mobilisé depuis le mois de novembre. Vous avez recueilli la parole des citoyens à travers des cahiers de doléances, 1600 dans la Sarthe. Si on doit résumer, qu'est-ce qui est remonté le plus dans ces cahiers ? On pourrait résumer ça en un besoin de justice sociale. Et l'idée, c'est de se dire, quel que soit le lieu où on habite sur le territoire et quel que soit son niveau dans l'échelle sociale, d'avoir un traitement équitable. Beaucoup de sagesse dans l'expression des gens. Ils ne demandent pas la lune, ils demandent juste d'être considérés comme des citoyens à part entière. Justice sociale, justice fiscale? Alors, justice sociale en premier, justice fiscale après. Et puis après, un besoin d'une démocratie active avec une possibilité de s'exprimer en tant que citoyen à l'échelon communal, à l'échelon départemental et à l'échelon national, bien évidemment. Puis ensuite viennent le service public, mobilité, environnement.
quand vous parlez le besoin de s'exprimer, eh bien, vous pensez justement que ces personnes qui ont rempli les cahiers de doléances, ils vont se saisir de ce grand débat ? Je l'espère, parce que cette crise vient essentiellement au départ des départements ruraux. La mobilisation des Gilets jaunes est arrivée de ces départements ruraux qui exprimaient un sentiment d'abandon. Ma peur, c'est que ce fameux grand débat, il ne s'en empare pas et qu'à la fin, lorsqu'on fera la synthèse de toutes ces expressions qu'on aura recueillies au niveau national, on n'ait pas l'expression de ces gens qui se sont mobilisés au départ et qui expriment depuis très longtemps un sentiment d'abandon à travers leur bulletin de vote, mais que ça ne fonctionne pas, hélas. Et vous, vous dites « je veux être un facilitateur ». Ça veut dire que concrètement, vous allez en organiser des réunions ? Alors, on va attendre patiemment quelques jours, d'abord pour voir si des gens de nos villages viennent taper à la porte de la mairie en nous disant « j'ai besoin d'aide parce que je veux organiser ». Pour l'instant, ce n'est pas le cas chez vous ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça arrive. On a déjà des collègues maires qui ont déjà des gens qui sont venus leur demander si ça existerait dans leur commune. Puis si ça n'arrive pas, si personne ne se lance dans l'aventure, on le fera. Parce qu'il est indispensable que les gens dans mon village, et comme dans tous les villages de France qui arborent un gilet jaune sur le tableau de bord, aient l'occasion de dire les choses et de s'exprimer, et d'exprimer leur colère, leur souffrance. Ce que vous me dites, c'est donc que si les citoyens de votre commune ne s'en emparent pas, vous, vous organiserez vous-même oui, des réunions. Oui, je le ferai parce que j'estime que c'est mon rôle. On doit, en tant que maire, exprimer la souffrance de nos concitoyens, et s'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, on le fera pour eux. Est-ce que vous avez peur que ce débat il soit confisqué, par exemple, par des députés ? Sarah El Haïry représente ici les élus de l'Assemblée nationale. S'ils ont la sagesse de venir dans une salle et ne pas expliquer pourquoi ils ont fait ça, mais de s'asseoir sur une chaise et d'écouter, tout se passera bien. Par contre, s'ils se déplacent dans les salles et qu'ils expriment, parce que c'est souvent un député souvent bavard, ils expriment leur vision du monde dans lequel ils vivent et le pourquoi de leur politique, forcément, les gens ressortiront de ces grands débats déçus, avec plus de colère qu'autre chose. Donc je leur conseille, moi, de s'asseoir et d'écouter. Vous avez entendu, Sarah El Haïry, à bon entendeur, c'est la quelle posture vous allez adopter dans les débats ? Oui, j'ai entendu. Eh bien, ça va peut-être vous rassurer, mais je suis évidemment un député de Loire-Atlantique. Et je suis aussi député de la Nation. Et parce que je suis député de la Nation, comme vous, j'arbore l'écharpe tricolore avec beaucoup d'obligations et beaucoup de fierté. Et c'est avec les maires, moi, que j'ai choisi de co-construire. C'est avec les maires, parce que je me suis mise à disposition de mes maires en leur disant... Comment on peut faire sur notre territoire ? Comment on peut construire pour que ce débat y vive ? Parce que je pense foncièrement que ce débat, il est important dans notre pays. C'est même, oui, un débat historique. Parce que des colères, elles sont profondes, vous l'avez dit, madame, et je vous reconnais cette sincérité. Vous avez dit que c'était profond et que c'était ancien. Et qu'aujourd'hui, cette colère, elle s'exprime. Mais elle s'exprime. Et c'est notre responsabilité de pouvoir en sortir des solutions. Mais alors, ça veut dire concrètement, vous dites on va co-construire avec les maires. Ça veut dire que vous allez organiser un planning de réunion, vous vous déplacerez d'une réunion à un autre en tant que député. J'ai proposé, tout à fait. Et vous ferez quoi ? Vous vous installerez au fond de la salle ou vous participerez activement ? J'écouterai. J'écouterai les propositions des Français, des gilets jaune, de tout le monde. C'est un moment qui est fait pour tous les Français, pour toutes les personnes qui souhaitent y venir avec. Y compris pour vous ? Mais bien sûr, je suis aussi une citoyenne et j'ai en plus la responsabilité de porter la voix, de porter ce message qu'on entendra sur nos territoires parce que je suis élue. Parce que je suis élue, mais je suis aussi une citoyenne. Et c'est avec les maires, parce que je crois foncièrement que c'est au niveau au plus proche, là où on vit. C'est le fait communal où on doit pouvoir s'exprimer. Mais vous vous attendez, j'imagine, à être critiqué, puisque vous allez être l'incarnation de la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron quand vous serez dans ces réunions. Mais vous savez, ce n'est pas un débat pour ou contre Emmanuel Macron ou pour ou contre un gouvernement. C'est un débat pour ça que la arriver. France... Bien sûr, ça pourrait arriver. Mais ce n'est pas le fondement. C'est un débat qui a vocation à écrire un nouveau modèle social, un nouveau pacte social. Donc c'est un débat pour la France. Quand on va le réussir. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit une phrase assez forte, je trouve. Je suis une garantie physique que leurs demandes remonteront. Bien sûr. Je suis élue de la République. Je suis députée de la Nation. Et ce qu'on entendra, ce qui sera échangé, de fait, il remontera. C'est pour ça que le fait que les maires se saisissent, s'ils le souhaitent, mais en tout cas, moi, je l'espère un maximum, est une chance, est une garantie. Parce qu'il y a un certain nombre de réponses qui sont entre nos mains. Mais ça veut dire que vous êtes prête à être critiquée, à faire évoluer votre pensée ? Bien sûr. Il n'y a pas débat s'il n'y a pas échange. Moi, je suis prête à... Enfin, ça, c'est facile à dire aujourd'hui. Mais non, mais j'ai envie de vous dire, rendez-vous, allez, d'ici le 15 mars, pour voir si ça évolue. Mais je veux dire, il y a deux choses. Ce n'est pas une posture. C'est un faux procès. Il y a dans ce moment une chance pour notre pays. Et je veux, enfin, en tout cas, j'espère foncièrement que chacun vienne avec cette volonté de faire avancer, de construire. Après, on fera le bilan, je vous l'accorde. Mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Venir avec des propositions. Témoigner, oui, et proposer des choses. Quand on entend... Moi, vous savez, j'ai reçu des gilets jaunes toutes les semaines depuis le début du mouvement, avec
un certain nombre. Alors c'était un petit comité au début, puis ça s'est élargi. Et il y a plein de choses qui sont remontées. Et il y a un des sujets, je vais vous donner un exemple, un sujet sur les policiers. Eh bien, parce que je suis députée, alors j'ai pu poser la question au ministre de l'Intérieur sur l'arrivée de nos policiers à Nantes. Parce que ça, c'est un sujet immédiat et urgent. Et c'était alors, une demande. Et c'est là où je vous dis, il y a tout intérêt à ce que tout le monde s'exprime, mais tous les Français. En tout cas, certains gilets jaunes, eux, ne sont pas prêts, en tout cas pour l'instant, à rejoindre ce grand débat, même si on voit que ça peut évoluer dans la semaine, Nathalie Le Bailly, puisque vous nous avez dit ici sur ce plateau que finalement, eh bien, votre point de vue, il avait un peu évolué. En tout cas, à Saint-Nazaire, il y a encore beaucoup de sceptiques. Vous allez voir, c'est ce dont se sont rendus compte en tournant ce reportage Myriam Engenor et Christophe François cette semaine. Au pied du pont de Saint-Nazaire, sur le rond-point de Méhan, ils sont toujours une vingtaine de gilets jaunes à se relayer toute la journée. Ici, le lancement du grand débat national par Emmanuel Macron laisse sceptique. Ce que j'attends, c'est qu'ils cèdent sur les points du pouvoir d'achat. Les gens qui sont actuellement dans la rue, ce qui les intéresse, ce n'est pas le débat. C'est le pouvoir d'achat. C'est à manger dans l'assiette. Des revendications recueillies en mairie depuis quelques jours. Un groupe de gilets jaunes de la ville a dû négocier avec le maire pour déposer ce cahier de doléances. Baisse de la TVA, référendum d'initiative citoyenne ou retour de l'impôt sur la fortune, la liste est longue, une vingtaine de personnes se sont exprimées. Val est venu apporter sa pierre à l'édifice avec réserve. Honnêtement, je le remplis parce que je me dis participer, oui, parce que j'aimerais être entendue. Si il daigne nous écouter, mais il n'écoutera pas. En fait, il a déjà ses idées, il a déjà lancé ses idées. En fait, il l'a dit, il ne bougera pas, il ne changera pas. Recueil de doléances et débats dans ce bâtiment occupé par des gilets jaunes depuis le 24 novembre et rebaptisé la Maison du Peuple, la pratique est quotidienne. Participer au grand débat national divise. Il y a des gens qui pensent qu'il faut y participer pour montrer preuve de bonne foi. Qu'on n'est pas là pour détruire et qu'on est là pour construire, même si on est tous persuadés que ce grand débat sera inutile et qu'au final, ce grand débat, on le crée depuis 2 mois, tous les jours. Nathalie Le Bailly, quand vous entendez, je ne sais pas comment on peut les appeler, vos collègues, vos camarades de gilets jaunes ici à Saint-Nazaire qui disent « nous n'irons pas, nous n'y croyons pas », est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils font une erreur ? Alors, chacun fait ce qu'il veut, en fait. On est justement le gilet jaune en lui-même. Et un individu, il a le droit de faire ce qu'il veut, on n'impose rien, jamais rien. Moi, je le fais parce que voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'écouter parce que je suis curieuse. Après, c'est pas pour ça que j'y crois, en fait. C'est pas pour ça que je crois qu'il va y avoir une évolution. Moi, ce que je dis, c'est que si on ne donne pas la main, on ne va jamais en recevoir. Donc, je ne suis pas non plus à aller rechercher... Vous n'êtes pas pour la politique de la chaise vide. Au moins, y aller, voir. C'est ça, moi, je suis plutôt, on va voir... et on va écouter comme eux, ils doivent nous écouter aussi. Et s'il n'y a pas d'écoute, évidemment, on va au clash. Et c'est là que vous n'y croyez pas en disant, vous ne croyez pas qu'ils vont vous écouter. Voilà, moi c'est ça le problème. C'est, on a bien entendu très souvent le président aller devant les citoyens et un citoyen lui parle et il répond à côté. Et ça, malheureusement, il a déjà sa petite réponse et c'est souvent au niveau du gouvernement, c'est comme ça. On pose une question, on nous répond à côté. Ou on nous fait comme si, on pouvait se passer de ce qu'on demandait. Alors est-ce que c'est la suite logique finalement ? Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour un certain nombre de gilets jaunes, eh ben, c'est pas d'y aller franco et de se lancer en politique. Il y a Laetitia Saint-Paul, hein, c'est une députée du Maine-et-Loire, qui est aussi La République En Marche, hein, et qui a précisé « Désormais, les gilets jaunes font de la politique très bien. Qu'ils s'y frottent, leurs os ne sont pas en verre. » Alors, il faut savoir que, bon, déjà, on est apolitique, mais notre mouvement est quand même... Jusqu'à quand ? Non, mais on est quand même déjà un mouvement politique, de toute manière, puisqu'on se met contre la politique actuelle et contre la politique... Enfin, tous les politiques qu'il y a eu avant. Donc, peut-être qu'un jour, on aura quelqu'un qu'on pourra mettre en avant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que notre mouvement, il a mais que ce grand mois. Débat, il pourrait faire émerger des... Non, mais déjà, ceux qui sont déjà prêts à faire de la politique, comme des personnes qui sont devant les médias depuis pas mal de temps, ces gens-là, j'y crois pas trop. Parce que c'est des gens qui veulent déjà avoir quelque chose au niveau de la politique. Nous, en fait, on veut... quelque chose qui émerge, mais des profondeurs, en fait. Donc c'est pour ça. Alors, en tout cas, si ce grand débat...
est un échec, ce que redoutent déjà certains. Eh bien, comment envisager l'avenir ? Des élus s'en inquiètent et ils s'en sont exprimés ouvertement à Emmanuel Macron mardi dernier en Normandie. Écoutez le cri d'alarme de cette maire qui a interpellé Emmanuel Macron mardi. Monsieur Macron, je vous souhaite que nous réussissions, parce que sinon notre pays, il est au bord du gouffre, et j'ai crainte que des fascismes, des heures noires nous attendent, parce que ceux qui tirent profit quand on est au bord de la falaise, ceux qui en tirent profit, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous, ce sont les extrémistes de tous bords, ceux qui ne voient que leur propre intérêt et qui ne veulent surtout pas construire le vivre ensemble. Je nous souhaite à nous tous, j'ai voté pour vous au deuxième tour, je nous souhaite à nous tous, parce que c'est une impérieuse nécessité, de réussir. Voilà, c'était mardi dernier en Normandie. Séverine Misset nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes membre du Centre Nantais de Sociologie. Je vais venir à vous dans un instant, mais d'abord j'ai envie de vous interpeller, Dominique Dumont. Est-ce que vous priez, non pas en termes religieux, mais figurés, mais réellement vous souhaitez très ardemment que ce grand débat réussisse, parce que sinon vous êtes inquiet pour la démocratie, comme l'exprime cette maire. Alors j'espère qu'il va fonctionner. Ce que je regrette amèrement, c'est que on n'ait pas entendu le cri d'alarme de l'ensemble des maires ruraux depuis 10 ans déjà sur cette situation, parce qu'on n'en serait pas là. Alors maintenant que le constat est à faire, on en est là, il faut avancer. Je pense que la solution, oui, c'est de venir s'exprimer. J'espère que les gens vont faire l'effort de venir débattre dans nos salles municipales, dans les salles associatives, pour que leurs paroles soient entendues. Je me répète, mais si les gens ne viennent pas, si les gens n'expriment pas leur colère, leur désarroi dans nos villages, parce que c'est dans nos villages d'abord que cette colère s'exprime, on va rater le coche et en fait, on va se retrouver au bout du compte le 15 mars avec des propositions qui ne correspondront en rien avec la naissance de ce mouvement. Donc, il me semble moins indispensable que ça fonctionne, mais j'espère surtout que mes collègues maires... Alors, si ça marche pas... On va essayer d'être optimiste, mais est-ce que vous pensez déjà, peut-être, si ça ne marche pas, là, alors là, c'est la catastrophe. Alors, je n'en sais rien. J'ose imaginer que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ça va être très compliqué. Alors, ça va peut-être s'apaiser malgré tout, mais ça voudra dire que cette crise réapparaîtra un jour ou l'autre, parce que ce sentiment d'abandon, la disparition des services publics, le sentiment, les écoles qui ferment, ce sentiment d'être un citoyen de seconde zone qui existe, qui est dans l'esprit de chacun depuis 10 ans, il ne va pas disparaître comme ça par enchantement. Et donc la crainte de tout à chacun, c'est que cette crise renaisse si elle n'est pas réglée dès le mois d'avril avec les propositions que fera le gouvernement. Séverine Misset, je rappelle donc que vous êtes sociologue. Vous avez travaillé sur l'histoire des mouvements sociaux, notamment chez nous, ici dans l'Ouest, depuis une cinquantaine d'années. Est-ce que celui-là, celui dans lequel nous sommes depuis plus de 2 mois maintenant, les Gilets jaunes, maintenant le grand débat, il est totalement inédit ? Alors, le président Macron a lancé le grand débat en Normandie. Je vais vous faire un peu une réponse de Normand, parce que oui et non, il y a des éléments qui paraissent un peu inédits et d'autres moins. La forme que prend le mouvement Gilets jaunes, elle n'est pas si surprenante que ça quand on voit les mouvements de ces dernières années. On peut penser au Bonnet Rouge, on peut penser à Nuit Debout aussi, même si ce n'était pas les mêmes fractions qui étaient mobilisées. Nuit Debout, c'est un mouvement plus urbain, plus diplômé, plus jeune aussi que les Gilets jaunes. C'est-à-dire des mouvements qui en fait font abstraction des partis, des syndicats ? Oui, parce qu'il y a une très très grande défiance qui s'accroît vis-à-vis de la démocratie représentative et qui est, je pense, effectivement un des sujets qui doit absolument être traité, parce que je suis d'accord, si ce n'est pas traité à l'issue de ce grand débat, ça reviendra dans les mouvements des années à venir, c'est certain. Donc rien à voir par exemple avec mai 68 ? Non, alors pas grand-chose à voir avec mai 68. La révolte en mai 68 n'était pas une révolte d'abord fiscale et d'abord portée sur le pouvoir d'achat. Donc il n'y a pas beaucoup de comparaison avec mai 68. Et là, il y a eu des tentatives d'élargir un petit peu le mouvement, d'appeler à la convergence des luttes. Ça n'a pas l'air de porter vraiment et on ne se dirige pas vers une grève généralisée donc, comme il y a pu avoir en mai 68. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas tellement se référer au passé pour parler du futur. Non. Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous avez des points d'appui pour dire comment ça peut évoluer, comment vous sentez un peu les choses ? Non, c'est toujours difficile de jouer à la boule de cristal à partir du passé. Mais en même temps, ça permet quand même des éléments de comparaison. Si on reparle, par exemple, de mai 68, la sortie de crise en mai 68, c'est quoi ? C'est une solution sociale avec ce qu'on appelle les accords de Grenelle, mais que beaucoup appellent protocole d'accord de Grenelle parce qu'il n'avait jamais été validé par la base. Mais il y avait quand même des syndicats qui pouvaient cadrer un petit peu le mouvement. Et donc, il y a une première sortie de crise par là. Et puis, la sortie de crise
politique, finalement. Il y a une solution politique qui vient s'ajouter à la solution sociale, qui est le départ de Gaulle pendant quelques heures en Allemagne, la dissolution, la grande manifestation gaulliste. Donc la sortie de crise de mai 68, c'est cette conjonction d'une solution sociale et d'une solution politique. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a une solution sociale qui a déjà été proposée, mais qui n'a pas pris. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Et maintenant, on arrive avec une solution qui est plus politique. Donc le grand débat. Le grand débat, qui est à la fois très différente de ce qu'avait fait de Gaulle, et en même temps qui est très incarné, parce que Emmanuel Macron, il est très impliqué, la lettre est très personnalisée, c'est lui qui lance le grand débat, donc il y a une tentative quand même d'associer cette solution politique à cette solution sociale. Est-ce que ça va marcher ? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Alors, est-ce que vous sentez, vous aussi, Sarah El Haïry, auprès des maires que vous avez pu rencontrer, ce scepticisme aussi ? Vous dites, on va co-construire, mais est-ce que vous avez besoin de les forcer, certains ? Non, parce que je respecte la volonté de chaque maire sur son territoire. Parce qu'en fonction de chaque ville, on n'a pas la même... Ça veut dire qu'il y a des communes où il n'y en aura pas ? Vous savez déjà que... Oui, peut-être. Il y en a qui n'ont pas encore répondu. Il y en a qui avaient besoin de la lettre de cadrage du président de la République pour vraiment savoir comment ça allait s'organiser. On a eu un certain nombre de réponses depuis peu, durant cette semaine. Mmh. Et finalement, moi, ce que j'entends aussi, c'est dire... Vous savez, dans nos territoires, dans nos mairies, on fait vivre une démocratie directe, la démocratie participative. Puis on sait le faire dans notre ville on aussi. On n'a pas attendu le grand débat, en fait. Exactement, un petit peu. Et peut-être, finalement, une des réponses politiques à un certain moment, c'est d'inventer une démocratie directe à côté de la démocratie représentative de notre pays. Et finalement, faire une sorte de convergence positive des énergies permettant d'avoir plus, peut-être, de consultations, de démocratie directe régulière à côté d'une démocratie représentative qui est le fondement de notre Constitution. On parle beaucoup et c'est ça qu'on invente. Vous parlez beaucoup, on parle beaucoup des maires, Dominique Dumont, qui sont en première ligne. Vous avez dit depuis des semaines, nous serons dans l'association des facilitateurs. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez dire, quels que soient les résultats du grand débat, qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes pour vous, les maires ruraux ? Alors, je suis toujours assez prudent. Aujourd'hui, on voit clairement que les choses ont évolué. Quand on est reçu dans les différents ministères, on voit qu'il y a une attention particulière portée à l'association des maires ruraux. Donc ça, c'est le côté positif. Ce qui n'était pas le cas. Je précise que Édouard Philippe vous a reçu en octobre, je crois. C'est ça, en octobre. Et que franchement, il n'en était rien sorti. Et que... Du tout. On l'avait alerté sur cette crise qu'on voyait nous arriver à grands pas et qui nous inquiétait. Et là, on n'a pas eu de réponse, en fait. Une écoute, et il nous a bien écouté. Et aujourd'hui, ça a changé. Tout a changé. Les règles ont changé. On voit qu'on a compris qu'une partie de la population, les 20 millions de Français qui vivent en milieu rural, étaient en souffrance, ou au moins une grande partie de cela, et qu'il était nécessaire qu'on s'en occupe et qu'on n'utilise pas la ruralité à chaque fois comme un arbitrage lorsqu'il comme faut... Une variable faire, d'ajustement comme une budgétaire, variable d'ajustement, notamment. Alors, il y a quand même des maires qui restent très sceptiques, on l'a entendu avec vous, Sarah El Haïry, certains même qui sont en colère. C'est ceux qu'ont rencontrés, notamment Boris Vioche et Vincent Reynal, qui se sont rendus dans le sud Vendée. Royalement négligés par ce gouvernement, les maires se retrouvent aujourd'hui, bien malgré eux, au cœur du dispositif de ce grand débat national. Et Franck Roy, maire d'Aisne, n'a pas l'intention d'assumer le potentiel échec de cette concertation. Moi, je ne souhaite pas non plus que les maires soient des boucs émissaires sur des enjeux nationaux. Ça, c'est très clair. Nous, on est là pour faire notre travail quotidien, pour répondre aux enjeux locaux. Et ce n'est pas en mettant les maires en première ligne que tout ira mieux sur les enjeux nationaux. Mouzeuil-Saint-Martin, 1250 habitants dans le sud Vendée. Le maire Anne-Marie Coulon est également présidente de l'association des maires de Vendée, une élue de terrain qui ne veut pas rompre ce lien précieux avec les concitoyens et qui voit en Emmanuel Macron un excellent communicant. Moi, le président de la République, j'ai envie de lui dire, mais venez vivre avec nous une semaine sur nos territoires et vous allez voir quelles sont nos problématiques. La problématique de l'école, la problématique du médecin traitant qui disparaît sur le territoire, la problématique des personnes âgées qui ne peuvent pas évidemment se déplacer comme elles le peuvent. Nous avons besoin de notre toiture. Nous sommes à 15 km de toute grande ville. Et j'ai peur que de Paris, à l'intérieur du périphérique, on ne soit pas tout à fait auprès de ces problématiques-là. Au plus haut sommet de l'État, on est aussi loin, très loin de la Genétouse. La synthèse d'un groupe de genestosiens de 50-60 personnes au niveau national, qu'est-ce qu'il va en ressortir ? Voilà, et qu'est-ce que l'ensemble des débats vont aboutir à quelle démarche ? Je suis assez dubitatif.
reste une autre inconnue, la mobilisation des administrés. Pour le moment, les cahiers de doléances installés en mairie ne font pas vraiment recette. Alors, pas vraiment recette dans le Sud-Vendée, mais on a vu chez vous qu'en revanche, dans la Sarthe, ça avait bien fonctionné. Et d'ailleurs, les maires mobilisés qui ne sont peut-être pas contents, mais ce qu'on a appris de la bouche de Sébastien Lecornu, qui est l'un des coordinateurs de ce grand débat, c'est qu'ils étaient à 40%, à l'origine de 40% des réunions, les maires. C'est un chiffre qui va évoluer, selon vous ? Oui, je pense, parce que déjà, hier, j'étais dans une cérémonie de vœux, tout le monde se posait la question, comment je vais faire, comment je vais l'organiser, s'ils sont trop nombreux. Tout le monde, y compris des non-élus. Oui, bien sûr, tout le monde est en train de se poser la question comment il va organiser ça. Donc je pense qu'on va avoir un grand nombre de réunions de proposer. Mais j'imagine surtout que si les gens viennent frapper à la mairie et puis réclament cette réunion, le maire n'aura que d'autre choix que de l'organiser. Oui. Je vois difficilement comment il peut faire autrement et ne pas donner la parole aux gens. Nathalie Bailly, vous êtes d'accord ? Vous pourriez organiser, vous, un de ces débats ? Non, je ne pense pas. Non, moi, je suis plutôt sur le terrain. Donc nous, on a des groupes avec... C'est dommage, dit Dominique Dumont. Pourquoi vous ne feriez pas ? Puisqu'apparemment, c'est assez simple. On s'inscrit sur le site du Grand Débat, on demande une salle et... Je vais peut-être voir. Peut-être, après, voilà. Mais ça ne se fera pas tout de suite, quoi. Donc, de toute façon, on a jusqu'à fin mars. 15 mars. 15 mars, c'est ça. Donc, pourquoi pas ? Alors, la question qui se pose, et il ne nous reste plus que deux minutes pour y répondre, ce n'est pas facile, c'est comment le contenu des débats va-t-il remonter ? Séverine Misset, on le sait ? Non, on ne le sait pas. Et ça, c'est la grande question, parce que si beaucoup de gens s'emparent du débat, il y aura beaucoup de contenu à remonter. Et l'enjeu, il est là-dessus. Hein, parce que laisser les gens s'exprimer, c'est bien. Mais on a des épisodes par le passé qui ont montré que si on n'en sort rien ou si les solutions sont déjà prévues à l'avance, ça peut faire plus de mal que de bien. Oui, parce que le député européen Yannick Jadot a dit d'ailleurs, si Macron triche avec les Français, le risque est que la démocratie s'affaisse encore plus. Ça veut dire qu'il y a un enjeu, Sarah El-Haïry, énorme pour les comptes rendus et les conclusions. Oui, l'enjeu est énorme parce que c'est un rendez-vous et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Surtout que le rendez-vous a été donné par le président de la République. C'est lui qui a souhaité ce rendez-vous. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'il va faire ? On se dit, quand il y a des dizaines de milliers de contributions, vous nous disiez, rien qu'en Sarthe, pour les cahiers de doléances, c'était 1600. Oui. Et concrètement, en fait, dans la proposition du grand débat, il y a la remontée par synthèse. Il y a les contributions directes où finalement chaque citoyen peut directement écrire sa contribution. C'est pour ça que les questions permettent finalement de mieux traiter et de traiter plus facilement et plus rapidement. Et surtout, j'ai envie de vous dire, et vous l'avez dit, monsieur le maire, les sujets il y a des effets majoritaires. On voit des sujets revenir de manière très forte. Et puis on voit des sujets plus minoritaires dans le nombre. Eh bien, c'est aussi ça qui est important d'identifier, c'est quels sont les grands sujets dans lesquels il faut avoir une réponse, et une réponse forte. En tout cas, on se donne rendez-vous courant mars, fin mars, pour faire le point sur ce grand débat national qui se poursuit donc jusqu'à cette date. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être venus nous parler de cet acte 1, cette fois du grand débat national. La semaine prochaine, dans Dimanche en politique, nous nous intéresserons à cette question toujours aussi sensible, le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Suite à la pétition signée par 100 000 habitants en faveur de ce rapprochement, cette réunification n'aboutira pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres voies possibles ? Le sujet est-il clos ? Vous vous en doutez sûrement pas. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et tout de suite, vous retrouvez Cathy Collin pour le 12-13. Merci.